complètement poisonné, c'est saloperie. Ils ont plein de maladies. Ça mange de tout, ça va. Ça se met dans des endroits bizarres. C'est des saletés, quoi. C'est des saletés. Où est-ce que j'arrive ici? Vous allez mourir. Oh, oh, oh là. Je t'ai pas vu. Je t'avais pas vu. Meurs. Oh, oh. Tête, tête. Level up. Level up. Level up. Level up. Ça, c'est bon. Nickel. Alors. Premier point de compétence. À mettre. On va le mettre. Ça vous connaît. On va le mettre en santé. Plus de santé. Et tac tac tac. On va le mettre en. Demain. J'ai dit demain. Les armes de demain affichent 20% de dégâts supplémentaires. Voilà. Nickel. Donc je disais. Ah merde. Une impériale en plus. Il a tué une impériale. Quel enfoiré. Quel enfoiré, quel enfoiré. Alchimie. Alchimie. Alors, Manimaro, roi des vers. Je vous laisse lire. Vous faisiez pause et vous pouvez lire. Tranquillement. Voilà. Nickel. Je vais pas trop vite comme ça, vous savez lire tranquillement. Enfin, vous savez faire pause. Sans devoir aller super vite. Et voilà. Je vais même le prendre. Pourquoi je le prends pas? Je le prends. Il y avait quoi là-dedans? Une aile de fouche. Le pot, le bol, j'en ai pas besoin. Mais. Il y a le pont ici. C'est quelle ville qui est là? Attendez, je me trompe pas, je vais bien. Je suis pas trop près du chemin. J'ai peut-être enlevé le marqueur. Le marqueur qu'il y avait là. Et je vais peut-être le mettre en attendant. Non, j'en aurai pas besoin de façon tout de suite. On va l'enlever. Supprimer. Voilà. Et je voudrais bien aller à Pondragon justement. On traverse le pont. Ici, on arrive dans une autre ville, je pense. On arrive où ici? Tu vois? Il va découvrir. Kandal Farmhouse. Si, lol. Ah non, c'était bien de l'autre côté. En fait, Pondragon, c'est de l'autre côté. Je peux retraverser le pont. C'est pas grave, au moins on aura découvert un nouveau lieu. Oh, je... On passe comme ici pour le pont. J'ai pas envie d'être commun. Vous imaginez un gars ici. Non, quand même. C'est vraiment ça. Tout à fait normal. C'est tout à fait logique de passer comme ça. Bon, on passe pas par le chemin. C'est trop long de passer par le chemin. Et c'est bien le fait de ranger mon épée, ça. Enfin, pas mon épée, mais. Même mon marteau, ça m'a permis de. Il n'y a plus de sort dessus. Même pas besoin de le laver. En même temps, vous me direz. Non, j'ai été dans l'eau aussi. Il y a ça aussi. En fait, c'était pas le chemin plus court. J'aurais dû passer par le chemin normal. Tant pis. Je passe par ici. Wow. Coucou toi. Tu vas bien? Hein. D'accord. Donc, et à ton frère, si à moi de l'autre côté aussi. Bon, dragon. On est arrivé. Une chèvre. Salut. Un garde pourrait devenir oui, nerveux. Oui, oui, on sait. Vous dites tout ça. Vous êtes bien un garde pour... vous êtes pas un garde pour rien. Si tu savais le nombre de gens que j'ai déjà tué. Une bonne paire. La première était une femme. Elle l'avait cherché. Donc, ça. T'avais un des quatre boucliers. Allons voir la taverne des quatre boucliers pour voir Sam qui pourrait nous indiquer des trucs pour par rapport à la guerre des quêtes. Je m'appelle. Vous n'êtes pas comme les autres, je le sens. Non, non. J'espère que vous ne venez pas faire des histoires. Non, non. Je cherche quelqu'un qui s'appelle Sam. Les Nordiques n'ont pas de guerre à la magie. L'académie de Fort Divers est le seul endroit à l'enseigner. Sinon, voyez avec ce lèche-botte de sorcier du Jarl. En même temps, c'est qu'un sorcier. Je pensais que tu parlais du Jarl. Georges, qui s'appelle Sam. Oui, Sam. Et, il est là, celui qui porte la robe noire et la capuche. D'accord. Sam le son. Il est dehors. Ah non, il est là. Sam. J'ai entendu dire que vous me cherchez. Vous cherchez des informations sur la guerre, n'est-ce pas? Oui, je suis un agent d'informations sur la raison militaire à Elgen.
Eh bien, je pourrais avoir quelque chose pour vous. Inclusion, vous avez les moyens. La façon n'est pas gratuite, vous savez. Que c'est moi ? Un millier de centimes, je vous dirai si vous savez, ça va. Je pourrais tout simplement vous faire cracher ces informations. Je vois pas comment ça leur est possible. Écoutez-vous d'être plus sérieuse maintenant. Ce genre d'informations ne devrait pas être payante. Le principe sonne bien, mais non, c'est précieux. Elle a un coup. Ah ouais ? Tu fais mal ainsi ? Attends. Je vais te piéger, moi. Ça dirait ? Non ? En même temps, je mets mes affaires là-dedans. Alors. Je vais être plus malin. La technique, c'est... On stocke tout ça. Et voilà. C'est à moi. C'est moi. Ouais, voilà. Payé. Je n'ai pas les moyens. Faites un beau geste. Je ne pense pas, non. Soit vous travaillez, tu fais Mister Team, soit vous allez voir ailleurs. Oh, quel enfoiré! Mais qu'est-ce que vous faites? C'est à moi! Je vais vous laisser. Vous avez commis des crimes contre Bord de Ciel et ses habitants. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Que je te paye une prime de dos? Pas bête. Là, il m'emmène en prison. J'espère que j'avais pas pris des trucs volés. À part mon or. Qui était à moi. Forcément. C'était mon or. Pourquoi ils m'ont enfermé pour avoir pris mon or? J'avais peut-être volé quelques pièces. Oh non, 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 je retourne pas à solitude, moi. Je retourne pas à solitude. Bon dragon. On y retourne. Et on fait un saut rapide du chargement. Boum. On est de retour. Retournons voir Sam. Un jour, j'espère posséder ma propre auberge. Faïda m'apprend à tenir une auberge. Non, je retourne. Vous me direz. Arrêtez de me regarder comme ça. Mais non, je te regarde pas comme ça. Ouais. Ouais. Eh bien d'accord, je suis de bonne humeur, mais c'est juste pour vous seulement, pour cette fois. Non, il fallait avoir les 87 pièces d'or, forcément. L'armée avait acquis une opération en cours près du guet de Sombrefaux, de Grandevercourt, appliquant le général Tullus lui-même. Il ratisse les bois en préparation du cas d'une cible sombrage et de grande importance, et une seule cible peut attirer Tullus dans ses bois. Ulfric Sombrage, le chef de la rébellion, je ne sais rien de plus, mais les gens qui vivent au guet de Sombrefaux doivent en savoir plus. D'accord, je dois aller au guet de Sombrefaux. Qui se trouve? Où se trouve cette ville? Ou alors ce camp? Est-ce que c'est loin d'ici ou pas? Est-ce que c'est loin d'ici? Ça a l'air très loin d'ici. Mais alors très loin. Mais alors super loin. Ah mais c'est bien. J'ai déjà été. C'était mon... Où est-ce que je vivais avant. Tant mieux. J'irai pas si loin à aller. Les chargements rapides, ça change la vie. Je ferai des voyages. De toute façon, j'aurais pas le choix de faire des voyages à pied et tout ça, mais là. De toute façon, il faut le faire à pied quand même ici. Si je peux éviter quand même le plus possible. Peut-être ça attend. J'aime pas la nuit. On va attendre un peu que le jour revienne. Voilà. Je préfère. Regardez. Encore une fois, je vais vous montrer la preuve que ça, c'est avec sans les mods. Et ça, c'est avec le mod. C'est quand même plus joli, non? Bon, je trouve un truc. On redescend la cascade. Aïe. Je fais rapide. Voilà, nickel. Oula. J'ai pas eu mal. C'est miracle. J'aurais cru que j'aurais mal. Ah oui, un mode qui rajoute pour les courants d'eau. Pour que ça fasse plus réaliste. Aussi. J'avais oublié de préciser, mais je trouve aussi que c'est plus beau quand on met des trucs ainsi. De toute façon, les modes, c'est la vie. Skyrim, sans mode. Bon, ceux qui sont sur PS3, je peux les comprendre et tout ça, malheureusement pour eux, mais... Skyrim, c'est plus beau avec les mods. Et il y a certains trucs que s'il n'y avait pas les mods, je pourrais pas vous faire. Mais ça sera beaucoup plus tard. Bah, par exemple, déjà, Rex, ce truc, ici. Cette, Tous pas. J'ai eu peur à mort. Rex, cette nouvelle vie, faite de découvrir la guerre d'Elgen, mais différemment.
C'est vraiment stylé. Je me noie, je me noie. Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là, ça? En tout cas, ça coule bien. Ça flotte? Non, ça coule. Je sais pas comment ça se fait, mais il y avait ça là. Quoi? Je dirais, c'est pas grave. Ah, j'ai failli encore me noyer. J'en ai marre de mouiller pour ces conneries. Là. En plus, j'ai du mal à nager. C'est ça le pire. J'ai du mal à voir aussi. À cause de ces cascades. On y est. On est bientôt arrivé. Je pense qu'on est bientôt arrivé. Non. Je voudrais voir ce qui se passe. Alors. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? J'espère qu'on va apprendre un peu plus de choses. Guet du sombre flot. Ah. On y est enfin. Ça, c'est la bonne nouvelle. Poisson. Bon, j'ai ça pour ça. Salut. Que puis-je pour vous? On m'a dit qu'il y a une opération impériale avait lieu près d'ici. Votre information est un peu dépassée. Le général Tullius est parti il y a plus de 6 heures. Quoi? C'est une blague. Ce groupe a capturé un certain nombre de soldats rebelles. Ils ont parlé de tout conduire à Eken pour leur procès. Probablement une décapitation. Il n'y a pas de cour de justice à Eken. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le quai de croix de sombre flot, réellement? Pas grand-chose. Nous pêchons et ne nous mêlons pas des affaires des autres. On essaye de ne pas contrarier l'Empire et les sombrages. Et jusqu'à présent, la guerre ne nous a pas affectés. Bah, tant mieux pour vous. Très bien. Qu'y a-t-il? Ce que Daddy, vous avez déclaré sur moi. C'est la première fois que je vous vois ici. Vous venez creuser, vous aussi? Sonda s'occupe de moi quand maman n'est pas là. Creuser? Qu'y a-t-il? Dasturne raconte encore des histoires? Ah, soit. Je peux m'occuper de ça. Le poulet, non, pas touché au poulet. Pour ceux qui connaissent pas, les poulets, c'est une divinité dans ce jeu. Vous tuez un poulet, vous avez tout le monde contre vous. Vous tuez un chien, limite, ils s'en foutent. Mais le poulet, on n'y touche pas. Le poulet, c'est le poulet. Où est-ce qu'il faut que j'y aille maintenant? Tout là-bas. Again. Non, 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 pas maintenant. Pas maintenant, j'ai pas le droit d'aller. Pour moi, je n'ai pas le droit d'aller. Blancherie. Écurie de blancherie. Ouais, je n'ai pas le droit d'aller où ce que vous avez vu. Si je dois y aller, je suis obligé de le faire à pied. Et on va découvrir un peu la route quand même à pied, ensemble. On va pas tout le temps faire des voyages rapides. Et si c'est beaucoup tourner juste la montagne, parce que c'est chiant de tourner des montagnes. C'est long. On sait pas comment y aller. Faut faire bugger. Et pour faire bugger. Le mieux, c'est avec ça. Les chevaux. Avec les chevaux, je veux dire. Le cheval, je veux dire. Le cheval. L'homme qui n'a pas de gravité. Enfin, l'animal qui a pas de gravité. C'est lui. Vous le verrez plus tard. Bon, pardon, mon gars. Excuse-moi. Alors, t'es bien fait, quand même, que ce soit en français. C'est vraiment stylé, ça. Je regrette pas d'avoir installé ce mode aussi. Ah, la ferme de Pélagie. Qu'est-ce que tu veux de... Il veut rien. Il veut rien, il veut rien. Regarde. Regarde de manger. Ouais, nickel, ça va mon gars, nickel. Je vais bien. Charmant ce gars. Ils ont l'air gentils, ces gars. En même temps, j'ai pas l'arme dégainée, donc... Peut-être pour ça en même temps. J'aurai l'arme dégainée, peut-être qu'ils sont autrement. On va se mettre un peu ainsi, puisqu'il faut pas se battre pour l'instant. Si vraiment je dois me battre, je mettrai une vue différente, mais là... Comme il faut pas se battre. Non, en fait, j'ai plus facile. J'ai plus de facilité. J'entends les bruits des animaux. Ça, c'est rajouté par rapport à... Ça, c'est rajouté avec le mode, par exemple. Tous ces bruits que vous entendez, par exemple, des animaux qui hurlent. C'est pas avec le jeu Vanilla, c'est vraiment avec les modes. Il y a, je sais plus combien de sons ambiants qui est rajouté. Par exemple, en donjon, etc., il va avoir... Dans les cavernes, les donjons et tout ça, il va vraiment avoir des trucs différents de son. Ça va vraiment être immersif. Ça va vraiment être bien comme truc. Mais ici, toi. Tu crois que je t'ai pas vu venir? Tu crois que je t'ai pas vu? Ah, augmentation jusqu'au niveau 17. Ça, c'est bon. Il faut que j'arrive jusqu'au 20 pour pouvoir monter la prochaine fois.
On arrive bientôt. Non, ici je pense qu'on arrive. Pour ceux qui connaissent pas, on arrive à Rivebois. Une ville qu'on aura le plaisir de retourner bientôt. Mais je ne dis pas pourquoi. Rivebois, Rivebois. Une ville pas mal. Petite mais bien quand même. On y est. Rivebois. Nouvelle découverte. Mais ce n'est pas l'endroit où je dois aller pour le moment. Donc on va un peu avancer pour le moment. On va faire comme si que on connaît personne. C'est pas tous les jours qu'on a des visites. Ouais ouais, je sais. Non non, je vous connais pas, vous me parlez pas. On se connaît pas encore. Quand on se connaîtra, vous pourrez me parler. Enfin, quand j'aurai décidé que vous pourrez me parler aussi. Pour le moment, je l'ai pas décidé. Je pense encore entendre des saloperies. Je pense qu'il y a encore des loups qui vont m'attaquer. D'une minute à l'autre, ça va arriver. Bon, je dirais pour le moment, je suis tranquille. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que je peux un peu être tranquille. Alors, on continue, on avance. Et est-ce qu'on va arriver enfin à Edgen? Il y a un chemin ou pas? Ah oui, mais moi je l'ai outrepassé, moi, le chemin. Moi, je traverse tout, comme j'ai déjà dit. Le chemin normal, je l'ai carrément oublié. J'entends des bruits, me disais bien. Bien. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Il a 6 morts. Ça y est. Une mine. Une mine ici. Quelle bonne surprise. Oula. Viens ici. Oh. Tu voulais m'attaquer, dégage. Qu'est-ce que t'as cru, toi? Tu pouvais faire quoi? Tu fais rien du tout. Tu restes au sol. T'as compris? Maintenant que ça s'est réglé, on va pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah oui! Les pierres! Vous avez vu celle du nécromant avec qu'on pouvait ranimer des corps une fois par jour? Mais ici, c'est les pierres gardiennes. Avec la capacité du voleur, se placer sous le signe du voleur apprendront les compétences de furtivité 20% plus rapidement. Il y a aussi la bénédiction du mage, c'est se placer sous le signe du mage apprendront tous les sorts de 20% plus rapidement. Mais moi je vais prendre la pierre du guerrier. Se placer sous le signe du guerrier apprennent les capacités de combat 20% plus rapidement. J'accepte. Oh, j'ai dit oh. Maintenant le guerrier est en moi. Ça va être mieux. Maintenant je vais pouvoir les combats à la hache et tout ça. Combat à deux mains va pouvoir monter plus rapidement que auparavant. C'est parti. Maintenant, on va à Elgen. Une bonne fois pour tous, pour voir ce qui se passe là-bas. Parce que j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est vraiment bien fait comme histoire à Tenak. Pour l'instant, je kiffe. C'est dommage que c'est pas doublé, mais ça aurait été un peu compliqué. Ça aurait peut-être utilisé le jeu, forcément, puisque ça aurait été des voix différentes, etc., etc. Il aurait fallu trouver des bonnes voies et tout. Ça aurait été un peu dur. Mais le mode est bien fait. Super bien fait. Moi, je kiffe. Moi je dis mode pour. Le mode, c'est la vie. Les modes, c'est la vie. Est-ce qu'on arrive enfin? Je pense qu'on n'arrive pas enfin. Ici, à quoi? Vers Dojo d'Alguien. C'est le dojo. Carrément. Trouver la petite dragon. Wow. Coucou. Ou c'est... Parce que je sais pas si on va le dire son nom. Donc je le dis. Et de toute façon je l'ai déjà dit. Coucou Alduin. Au revoir Alduin. À la prochaine mon pote. Alduin. Il est plus là. Alors allons Alguien. Allons Alguien, allons Alguien. Ouvre-moi cette porte. Il y a eu des grabuges ici. Mais alors, beaucoup de grabuges. Ah, ici. Elgen, nouvelle découverte. Alors, qu'est-ce qu'il y a? T'es un peu cramé. Le corps tombe en sang dès que vous le touchez. Mais un journal en cuir a résisté aux flammes. Comme par hasard. Lisez le journal.
On va lire le journal. Non, je veux dire qu'on va lire le journal. Alors, livre. Journal de l'aventure. Oula. Bon bah. On va un peu lire. Enquêté sur la croix de bout de chemin où anticiper les habitants des rives bois de l'attaque du dragon. Non, on ira au donjon. Alors, c'est parti. Difficile de croire que j'ai... Lecture, donc ça va sûrement vous intéresser, ou si ça vous intéresse pas, bah...